D'abord, c'est la tristesse et la consternation aujourd'hui dans les Laurentides. Un jeune garçon de 5 ans et une fillette de 3 ans ont été découverts sans vie dans une résidence cossue de Piémont, tout près de Saint-Sauveur. Et leur père, un jeune médecin de 36 ans, est considéré comme le principal suspect dans cette affaire de meurtre. Maxime Bouillet. Pourquoi fuir et laisser l'âme s'envoler? Le cœur qui s'unisse pour créer la vie, mais qui la laisse trop mourir peu avant que l'été arrive. Un soir d'hiver à Piémont, tout est glacé. Autant que le cœur de Guy qui est désemparé. Sa femme qu'il aime depuis longtemps plus que la planète voudrait partir loin de lui, fuir à des kilomètres. Mais je la comprends, tout marche plus depuis trop longtemps. Je comprends aussi comment oublier ses bons moments, penser avec ses enfants, sa vie de famille parfaite. Comment envisager vivre loin d'eux jusqu'à la retraite. Moi, j'aurais probablement pété les plombs. Il a pété les siens avant d'entendre les enfants crier non. Un bon père de famille pense pour plus fou que les autres. Et une mère anéantie garde tout ça sur les épaules. C'est une prière pour les pauvres parents que la tragédie fait. C'est pour remplacer la haine en ces jours de tristesse. Dieu a tout pris, ce qu'on a bâti à tout jamais. Raison s'isole pour réfléchir, parce que nos émotions ne jamais aimé les dire. Un homme désespéré, un suicide comme seule option, parce que notre culture nous le présente comme un poltron. On vit pas nos émotions, on ne fait que le réagir. Tout ça parce que l'homme possède cette pudeur émotive. L'amour est capable du meilleur comme du pire. Ça on le voit quand un père famille se suicide. Aliénation mentale ou folie passagère, c'est ce qui nous rend animal et nous oblige à faire un tas de choses impensables à n'en faire qu'à sa tête. En s'enfouissant la tête dans le sable, en oubliant la mer, on se rend vite compte que la vie tient à peu de chance. Quand l'amour fou devient de la haine aveuglante, on rêve de partir avec ce qui nous reste d'elle. Alors on se fait pousser des ailes pour rejoindre le ciel. Dieu a tout pris, ce qu'on a bâti à